surprise. Je l'ai eu. J'en reviens pas, j'ai réussi, j'ai attrapé un marsupilami. Ça y est, je le tiens, c'est le plus beau jour de toute ma vie. Continue, vas-y, défoule-toi. Seulement, je te l'ai déjà dit, tu te fatigues pour rien. La cage est blindée de partout. Le seul moyen de sortir, c'est d'avoir la clé. Et la clé, c'est moi qui l'ai. Pas de quoi. Et maintenant, en route pour la gloire. Blanc, ça? Bien sûr que oui, les sables mouvants, on n'a encore jamais essayé. D'abord, on s'empare de ces rejetons et on les balance là-dedans. Lui, il arrive pour les sauver, mais il tombe dans les sables mouvants et c'est là qu'on l'attrape. Faut d'abord qu'on capture les mini-mars, c'est tout gentil. C'est exactement ça. Non, ça, c'est pas gagné. Mais stylé. Je suis déshonoré. Ouais, le marsupilami en chair et en poil. Alors les lourdeaux, qui c'est le pro? Vous le sentez maintenant? Ah, il vous prend au nez le parfum de mon irrésistible succès. Allez, salut. Amusez-vous bien. C'est un cauchemar. La patronne va nous virer. Mais cette fois, je prends plus sur moi. Merci. Tu vois, je te l'avais dit, les sables mouvants, c'est un super plan. On n'a même pas eu besoin des bestioles miniatures. Ben oui, mais maintenant, comment elles sortent de là? Les sables mouvants sont partout. Alors, ma foi, là, on ne fait rien. Nous serons bientôt débarrassés pour toujours du marsupilami. Tout est pour le mieux. Jouissons du spectacle. T'aurais pas du pop-corn? Oh non, Marsu! Mais il va me lâcher cet arbre. Lâche-moi ou je te tronçonne. Les clés! Je fais quoi pour les récupérer? Hector, t'y arriveras jamais. C'est maintenant ou jamais. Mais d'où il sort, le gamin? Ma clé! Rends-moi ma clé pour rien! Sors vite, Marsu! Arrête! Moi aussi, je suis heureux de te voir, Marsu! Mais il faut qu'on s'en aille d'ici! T'as perdu. Oui, oh, c'est dur, hein. Il était pourtant monté très haut, le meilleur chasseur du monde. Faites-moi descendre de cet arbre. Mais tu te débrouilles très bien tout seul, finalement. Strike, tu as du popcorn? Vous allez rester là comme deux vautours devant leur proie. Sortez-moi de là, enfin. Moi, j'ai pas entendu les mots magiques. Et si tu veux mon avis, Stroy, c'est le parfum de la défaite qui le rend si grossier. Messieurs, je vous en prie, je m'enfonce, là. Alors, c'est qui les plus gros chasseurs du monde? Qui c'est les meilleurs? Et vous, d'accord. Ouais, je peux l'entendre encore. Oui, et cette fois, tu vas parler dans le micro. On est bien d'accord.
Vous êtes les meilleurs, vous êtes les numéro un. Silence ! Je ne veux ni vous voir ni vous entendre. Je suis entourée d'une bande d'incapables. C'est vrai, je t'assure, je volais. Je volais bien en liane et j'ai même pas eu peur. En ce cas, Hector, j'ai quelque chose pour toi. Oh, mais c'est ma BD de Crozon. C'est assez étonnant ce qu'on peut trouver le long du soupe au poireau. Merci, Tante Diane. Tante Diane, on va faire un tour dans les arbres. Nous, les aventuriers, on est tous pareils. On peut pas résister à l'appel de la jungle. Et voilà, je suis prête. Tu t'en vas seulement un week-end, Tante Diane. Tu crois pas que t'as un peu trop de bagages? Oui, je sais, Hector, on dirait que ça fait beaucoup pour deux jours, mais ce n'est que le strict minimum. Et c'est tout ça, le strict minimum? Mais ce